Master en plus, vous pouvez sentir les odeurs, regarder sur votre peau et c'est beaucoup mieux pour acheter tout simplement. Merci. Ah, m'en parle pas, il y a énormément de personnes qui ça désabonne automatiquement, je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui ne trouvent pas. On sait pas ce qui se passe, mais ça se passe. Évolution. Ah ben voilà, parfait, ça tue. Non, ouais, n'hésitez pas, si vous avez parmi les 200 points de vente, un qui est dans une pharmacie ou point de vente à côté de chez vous, n'hésitez pas à les toucher, sentir. Il y a souvent les tests, elles sont bien placées. Mais ça arrive aussi que des fois, ils soient tout en bas et que du coup, vous ne les voyez pas. Je ne sais pas. Mais nous, on n'est pas dépendant de ça. Les pharmaciens nous achètent les produits et après, ils les mettent dans leur pharmacie. Et après, ils les mettent un peu où ils veulent, hein, c'est leur pharmacie. Donc en général, je suis désolé, souvent, quand il ne reste pas beaucoup de références, les pharmacies forcément mettent d'autres produits en avant pour les vendre, puisque la plupart a été vendue. Et soit c'est en attendant de réassort. Mais si vous ne les voyez pas dans ces pharmacies-là, n'hésitez pas à commander sur le site tout simplement. Alors c'est en cours. Bonne mémoire Marie, j'ai attaqué les formalités quand on est rentré fin août, fin début septembre. Et là, ça fait plus d'un mois et demi, c'est assez long. Mais je suis dessus, tout a été envoyé, on a eu une réponse, il manquait quelques documents qu'on a envoyé là la semaine dernière. Donc d'ici, j'ai hâte d'attaquer un petit peu le marché du Middle East. Ça va être une nouvelle aventure, ça va être sympa. Ça va être comme une nouvelle marque indirectement, hein, puisque ici, personne ne nous connaît. Donc il faudra trouver notre canal de vente. Et c'est ça qui m'excite un peu. Ah mais tous les beagles sont impressionnants. C'est incroyable, ils adorent se barrer. Tout le nombre de personnes qui m'ont envoyé un message en me disant « Moi aussi mon beagle, il se barre. » Je sais pas ce qu'il y a dans leur gène aux beagles, mais ils adorent se casser, quoi. Et ils reviennent, hein. Attention, ils ont un sens de l'orientation, pas comme moi. Hein. Ils peuvent partir à New York, ils reviennent normal. Hein. Ils reprennent les transports en commun. Ah, ils ont un Waze intégré. Ah, merci, ça fait plaisir, Audrey. On essaie vraiment d'être parfait, tout simplement. Comme ça, dès que vous écrivez, vous avez une réponse très rapide. Et il n'y a rien de plus important que le service client. Donc, merci à toi pour ce message. Ça s'envoie un gros Uno, là ? Ouais. Je vais jouer après, ouais. Il est fort, Mylan. Hein, cet après-midi, ça y est, on a remis l'eau à chauffer parce que la température est remontée. Et cet après-midi, on a les copains qui viennent à la piscine, on va profiter avec les enfants et tout. Et ce soir, après, on va se balader bord de mer, petit resto, massage des pieds. On s'est préparé un bon petit plan. Je les renifle. Non, mais un gars, j'ai gagné! Joey, il était à ça de gagner. À ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier que t'as tapé le coach comme ça? C'est lui qui t'a demandé de faire ça? De quoi? De taper le coach comme ça, de lui mettre un crochet. Auquel? Tu te rappelles pas hier? Ouais, t'as mis un crochet au coach. Oui. Et c'est lui qui t'a demandé de faire ça ou c'est toi qui l'as agressé gratuitement? Moi. Tu l'as agressé gratuitement? Tu lui as dit pardon? J'ai fait comme ça. Après, je les enlèverai. Quatre gros blocs de glaçons comme ça. On va voir si ça marche bien. Hein. Un bain glacé à Joey aujourd'hui. Vous savez, j'avais acheté ça là. Donc voilà, ça m'en fait quatre gros comme ça. Je vais les mettre comme ça. J'attends que ça sèche. Elle est à 31,6. On l'a fait chauffer. Allez, il y a le coach qui est là. T'as fini ton cours, toi? À toi, Maï. Alors non, je te confirme que nous ne pouvons pas contrer un plus 4. Tu peux, alors si, avec le nouveau Uno ou celui où tu utilises le boomerang, c'est le seul moment où tu peux contrer un plus 4. Mais quand tu prends un plus 4, tu peux le contrer si tu dis menteur à l'autre. S'il n'a pas la couleur qu'il faut, il prend 6 cartes. Et si par exemple toi, t'as compris. En gros, quand tu mets un plus 4 à quelqu'un, tu dois pas avoir la couleur. S'il y a du rouge demandé, il faut pas que tu aies de rouge. Si tu mets un plus 4 mais que tu as du rouge dans les mains, l'autre peut te dire menteur et tu prends 6 cartes. Si par contre il te dit menteur et que toi tu n'avais pas de rouge, c'est lui qui prend 6 cartes. Voilà, il faut lire la règle du Uno. La dernière fois on s'est posé dessus, on a lu la vraie règle, pas la règle inventée par tout le monde. Et du coup, c'est un plus 4, tu ne peux pas le contrer. C'est pas une femme au top ça? Petit matcha dans la piscine. Et merci. Liwen se régale.
Allez, chocolat, let's go. C'est le goûter. On va partager le choco. On va faire un bec glacé avec le refrais là. On a mis 30, 40 kg de glaçons, il est à 7 degrés. C'est la première fois que tu as jamais fait toi? Non. Allez. Ça va être drôle parce que la première fois, ça... La première fois, franchement, ça surprend. 7. Bon, Joey, à votre avis, il a duré combien de temps? Allez, vas-y, Joey. Premier espace pour Joey. Ça y est, t'as commencé là. Faut y aller cash, hein. Non, il faut être direct, hein. Ah, je suis en tout meilleur, frère. C'est bon. Ah, je peux pas. Tu vas passer une minute. Je peux pas. Eh oui, l'habitude, la... On est déshabitués, en vrai. Mais après, tu t'habitues. Il est là, le bec glacé grand, viens. Waouh, il va toucher. Je sens plus. Mais alors, c'est froid ou pas? Non, le degré, ça va. Regardez si on n'est pas bien. On est venu se caler là pour se faire un match de paddle en fin de journée avec cette vue magnifique. Les enfants sont là. Tu vas regarder le slime. Tranquillement, pendant que papa et maman on joue là, tranquille. Il me fait peur, j'ai l'impression qu'il va aller sur mon toit. Hein? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en préparation depuis ce matin. On a validé aussi la vidéo YouTube qui normalement sortira ce soir, ce dimanche. La vidéo YouTube qui est par rapport aux gagnants qu'on a fait sur notre concours Gilor. Donc on a rencontré deux gagnants qui sont venus à Dubaï et avec qui on a passé des super moments. Donc là, normalement, la vidéo va sortir aujourd'hui. On a fait quelques petites modifs. Et si on arrive à les gérer aujourd'hui, la vidéo sortira aujourd'hui. Sinon, ça sera dimanche prochain. Par la même occasion, on a d'autres vidéos YouTube à tourner aujourd'hui. On profite que Lucas est ici. Et donc, ça va être une grosse journée de tournage. Je vais emmener Mylon et Lee Wayne jouer avec un copain Mylon au parc. Parce que le driver n'est pas là. Donc, je vais les mener. J'irai les chercher après. Et voilà, ça va être une journée longue de taf. Mais ça va être bon délire. Je t'ai éteint, Mylon. Allez. Et alors? Qui c'est qui est là face à nous? Alors... Il est là, Lucas, en chair et en os. Il s'est mis devant ta télé. Qu'est-ce qu'il fait, ce Lucas? Eh oui, mais c'est parce que tu prenais le plus beau spot pour faire les vidéos. On va faire des vidéos YouTube. Je peux pas voir. Eh bien oui, tu vas aller te mettre dans la chambre de maman et papa. Oh là là, la tutu. Bon, bientôt tu vas faire la sieste, ça va.